Et bien sûr, on va passer maintenant à ce que vous attendez toutes et tous, la démo Ubinect Orthophonist, donc avec Quentin qui va nous faire cette super démonstration. Et on va voir ensemble plusieurs points. Donc, comment effectuer une recherche des fameux actes dont je parlais de manière très simple. Comment facturer, télétransmettre, c'est le but de cette réunion aujourd'hui. La planification des séances en un clic. Tout ce qui est score, on en parlait, le scan des ordonnances tout à l'heure. Comment ça se fait, comment ça se réalise sur Ubinect. La DRI, et Quentin nous expliquera au passage ce qu'est la DRI, et puis le lecteur de carte vitale nouvelle génération. Donc voilà, Quentin, je te laisse nous présenter Ubinect. Merci Nathalie. Donc voilà, donc là aujourd'hui, je vais vous présenter donc le logiciel Ubinect. Donc l'interface de connexion que vous pouvez voir donc aujourd'hui sur mon écran, donc c'est l'interface qui est proposée donc sur l'ensemble de nos supports. Donc que vous soyez sur ordinateur, sur tablette ou sur téléphone, vous avez la même interface de connexion et les mêmes identifiants mot de passe. Donc là, comme vous pouvez le voir, identifiant mot de passe, et très simplement, nous allons pouvoir nous connecter. Donc aujourd'hui, de mon côté, donc le petit terminal que Nathalie a exposé tout à l'heure, donc c'est l'Ubinect Touch. Donc il est branché en mode filaire aujourd'hui à mon ordinateur pour la démonstration. Il y a du coup un lecteur qui est bifente, donc vous allez pouvoir insérer votre carte CPS à l'intérieur du terminal et insérer la carte vitale en haut pour faire lire une carte vitale. Donc là, je vais vous montrer très simplement aujourd'hui comment on effectue donc une facturation donc pour vous orthophoniste. Donc tout simplement, je vais vous montrer donc deux cas de figure qu'on a pu voir avec Nathalie. Donc je vais tout d'abord vous montrer un acte isolé, donc comment faire un premier bilan, et par la suite donc je vous montrerai comment faire un traitement qui est plus étalé, donc avec plusieurs séances donc sur plusieurs semaines. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà un annuaire contact qui est bien garni. Donc en fait, à chaque fois que vous allez lire une carte vitale, les informations vont être transmises ici. Donc là, on va se positionner sur un patient aujourd'hui. Donc par exemple, on va prendre monsieur Bertrand Assure. Vous allez aller dans la partie traitement. Et on va venir ajouter une ordonnance. C'est donc, le score. Non, c'est pas le score, c'est le traitement. Non, pas tout de suite, Nathalie. Pas tout de suite. Donc là, on va dire que par exemple, la date de l'ordonnance, elle est pour aujourd'hui. On va effectuer la séance donc aujourd'hui. Donc au niveau du prescripteur, je vais prendre l'un de mes prescripteurs. Donc à chaque fois que vous allez rentrer un nouveau prescripteur, celui-ci va venir s'enregistrer dans votre base de données prescripteurs. Donc à force, vous allez récupérer donc l'ensemble des prescripteurs de votre département. Donc nombre de séances, donc on a dit qu'on allait faire un acte isolé, donc une seule. Résumé de l'ordonnance, donc premier bilan. Ensuite, donc type d'assurance, donc maladie, pas d'exonération. Le patient n'est pas victime d'attentat. Ici, donc voilà Nathalie, on y arrive. Ah, c'est le fameux score. Le fameux score. Donc sur notre logiciel Ubinect, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Comme l'a dit Nathalie, c'est un logiciel qui est en ligne et qui est utilisable, donc multi-support. Si, comme pour moi, vous êtes aujourd'hui sur ordinateur, vous cliquez ici sur le petit bouton « Ajouter une ordonnance » et vous allez pouvoir récupérer donc votre ordonnance qui a été au préalable scannée. Si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, vous cliquez sur le même bouton et cette fois-ci, ça va vous ouvrir en direct donc l'appareil photo et vous allez pouvoir prendre en photo directement votre ordonnance. Bien entendu, donc une fois que vous avez pris l'ordonnance donc pour un traitement par exemple de 20 séances, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de rajouter l'ordonnance. Celle-ci va être automatiquement rajoutée à chaque fin de séance. Donc voilà concernant score. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on ajoute un acte. Donc comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, donc il y a deux possibilités. Soit vous êtes en Kodak, comme vous êtes des professionnels de santé, vous connaissez votre Kodak par cœur, vous savez lesquels vous utilisez. Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser les libellés. Donc, on a dit qu'on allait faire un premier bilan. Donc là, je tape bilan. Par exemple, on va prendre un AMO 34, donc un bilan de la communication et du langage écrit. Vous le sélectionnez et vous l'enregistrez. Et ici, c'est magique. Donc, il est rajouté de manière automatique ici en bas. Si jamais vous voulez rajouter d'autres actes, vous avez le petit plus bleu ici. Et si vous vous déplacez chez votre patient, vous avez ici les indemnités kilométriques, donc le petit plus avec l'ambulance pour choisir vos différentes indemnités kilométriques.
Donc là, ça concerne plus ceux d'entre vous, effectivement, qui se rendent, par exemple, en EHPAD également, voilà, pour réaliser de la rééducation orthophonique. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir créer le traitement. Ici, donc vous voyez, il y a zéro séance planifiée. Donc là, on va pouvoir ajouter une séance. Donc vous choisissez la date, donc, par exemple du jour. Et on va dire que par exemple, on l'a fait donc à 12h30. Donc là, on l'enregistre. Et voilà, la séance a été planifiée. Et vous voyez que maintenant, il vous reste à facturer. Donc la seconde partie, ça va être la facturation, puis dans un second temps, la télétransmission. Donc voilà concernant un acte isolé. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait un acte donc sur un long terme. Donc on va réajouter une ordonnance et cette fois-ci, on va mettre donc sur 20 séances. Donc on choisit donc le même prescripteur, donc par exemple Laure. Et cette fois-ci, donc on va faire de la rééducation. Nombre de séances, donc Nathalie, 20 ou 30. Hein, donc on va mettre 20 aujourd'hui. Allez, 20 séances. Donc pour score, donc comme je vous l'ai montré juste avant, donc c'est exactement le même Même processus. fonctionnement. Voilà. Et au niveau de l'ajout de l'acte, pareil, donc soit en libellé, soit en codacte, et cette fois-ci, donc je vais marquer rééducation. Alors Et par exemple, justement, Quentin, ce que je dites-moi voulais dire, Nathalie. et je pense c'est une très bonne nouvelle hein, pour vous qui êtes orthophoniste. Donc comme je vous le disais, ben, c'est vrai qu'on suit toujours, hein, on a toujours la veille réglementaire pour suivre les actes et leurs tarifs, les mises à jour des actes. Et on a une très bonne nouvelle qui est tombée là encore récemment et ça va être mis en place incessamment sous peu. Il y a une revalorisation tarifaire, donc justement au niveau de plusieurs actes concernant la rééducation. Donc par exemple, pour la rééducation des troubles du graphisme, de l'écriture, eh bien, il y a une revalorisation qui est attendue, qui va être mise en place, et une autre revalorisation qui sera également mise en place encore au 1er juillet 2023. Donc, ce mois-ci, une première revalorisation, au 1er juillet 2023, une seconde. Voilà, et ce qui va faire que, bien entendu, bah, ces séances de rééducation, effectivement, bah, soient revalorisées pour les orthophonistes. Donc voilà, des très bonnes nouvelles, et on se tient bien à jour par rapport à tout cela. Eh ben, merci Nathalie pour ces informations complémentaires. Pour continuer, donc comme tout à l'heure, la possibilité de rajouter d'autres actes ou ici les indemnités kilométriques. Donc là, on crée le second traitement et cette fois-ci, je vais vous montrer comment on fait un traitement, mais cette fois-ci sur le long terme. Donc cette fois-ci, on va aller planifier les 20 séances. Hop. Donc là, on arrive sur la partie de l'agenda. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà des séances qui ont été effectuées. Donc, c'est des séances test que moi j'ai effectuées. Donc là, on va réserver donc un créneau de libre. Donc, en général, Nathalie, si j'ai bien compris, les orthophonistes, c'est plus une séance par semaine. Donc, on va se positionner sur un jour qu'on va garder. Donc, par exemple, le vendredi. Donc, le créneau de 9h est disponible. Donc, vous voyez, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous cliquez à la main et vous allez sur suivant pour aller sur les autres semaines. Mais Nathalie, là, on a 20 séances à 20 prévoir. Donc, séances. Ouais. c'est assez long. Donc là, on On va le faire le de fait en un manière, clic, hein. voilà, en un clic. Donc on va le faire de manière automatique. Donc on sélectionne vendredi matin. Donc on a dit à 9h. On sélectionne 9h. Si je l'ai. Ouais, c'est ça, 9h. Ensuite, la date de la prescription, donc à ce jour. Et vous voyez que vous allez répéter donc chaque séance jusqu'à la fin du traitement. Donc là, on fait hop, planifier. Et là, c'est magique. Donc ça a été programmé dans votre agenda pour les semaines suivantes aussi. Donc voilà concernant la planification des séances. Ici, comme tout à l'heure, donc il reste la partie facturation et télétransmission. Et maintenant, donc je vais vous montrer donc aujourd'hui comment on peut voir donc l'état des différentes factures. Donc vous allez dans le petit onglet gestion en haut à droite, ensuite dans suivi des factures, et ici on va pouvoir voir les différents états des factures. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un code couleur. Donc, en bleu lorsque c'est en cours, en vert lorsque c'est payé, et il y a encore deux autres, donc anomalie et rejet, en orange et en rouge. Donc, voilà, c'est ici que vous pouvez voir un peu le résumé de vos différentes factures. Nathalie, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un de nos partenaires, Contacom, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant Ubinect sur l'export des données? Oui, alors effectivement, avec Ubinect, c'est vrai que je peux également leur simplifier un peu les choses et leur adresser au mois ou à l'année, tout simplement, hein, toutes les factures que j'ai encaissées, par exemple, hein, toutes les recettes que j'ai encaissées, également toutes mes recettes, toutes mes dépenses, c'est possible également
pour tous, hein, de toute façon, de retrouver toutes ces informations, voilà, de cocher et de réaliser un rapport, donc, pour la comptabilité, ou si vous n'êtes pas, si vous souhaitez vous-même réaliser votre gestion, vers votre AGA, par exemple. Et tout à l'heure aussi, Nathalie, tu as souligné un point, donc c'était l'ADRI. Donc, qu'est-ce que l'ADRI ? L'ADRI, donc, c'est un téléservice qui est directement intégré dans Ubinec, qui permet donc d'appeler les droits de vos patients lorsqu'il y a une lecture de carte vitale. En fait, vous avez différents modes, donc vous avez le mode ciblé ou systématique, et à chaque fois que vous allez insérer une carte vitale, ça va appeler donc la caisse pour vérifier les droits du patient, ce qui permet donc de limiter les rejets en cas de mauvaise mise à jour.